j'ai une autre idée. Alors, je vais vous baisser sur mes mains. Tandis que je lisse un peu le ruban que je vais utiliser. Voilà. Donc, l'idée de la colonne. Alors, je vais utiliser un morceau du ruban orange qui me restait. Et donc, j'ai ces trois éléments-là. Donc, là, en quatre en fait, la colonne. J'ai enlevé le papier. Le ruban que je vais intégrer tout autour de la colonne pour laisser apparaître la colonne. Donc, là, mon pistolet à colle est en train de couler. Donc, il me dit, il est temps de d'œuvrer. Hop là, il coule. Il coule, il coule. Donc, je me mets à l'œuvre. Je tourne. Il faut tourner encore. Et il sait qu'il fuit, hein. Là, enlever le fil. Si j'y arrive, ouais, c'est bon. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Donc voilà. Et ça coule tout seul, ce truc. Là, je vais mettre de la colle tout autour. Je vais y poser la fleur que j'ai fait précédemment. Et comme il faut. J'ai un joli petit papillon en plastique. Donc le joli petit papillon, je vais le mettre par là. Oh, ouais, par là. Et on va venir le placer dans un trou de la colonne. Hop, il y a des fils. Et s'ils veulent bien me lâcher. Voilà. Et la colonne, eh ben elle est faite. Voilà une bobine alternée. Altérée, pardon. Oh, alternée. Pourquoi je dis alternée? Ça va plus, moi. Bon, voilà quoi. Une bobine altérée. Oh, bon, mais... Puis j'ai plus rien à faire avec le... Voilà. Avec le pistolet, et il coule, il coule, il coule, ça gâche de la colle. Heureusement que j'ai mis un papier. Voilà. Je vais remonter tout doucement le téléphone, s'il veut bien, comme d'habitude. Voilà, quelques idées de déco. Sympa la petite déco, quand même. Voilà. Et le jaune et le violet, c'est des couleurs complémentaires. Donc, un joli petit papillon. J'adore les papillons. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Papillon. Voilà, les papillons. Et bah, c'est tout pour le moment. C'était une vidéo courte.
5 minutes. Même pas. L'idée était déjà là, donc il a suffi que je fouille dans ma boîte et voilà. Tout simplement. C'est arrêté de fuir, on dirait. Bon, je vous préviens, le pistolet, le mini pistolet à colle de Jiffy fuit. Mais pas grand-chose, hein. Il y a une boulette et une bonne coulure. Et mon estomac, mes intestins qui font du bruit. Voilà. Et je me rhabille un peu parce que c'est le pyjama qui est un peu juste. Puis c'est moi qui grossis aussi à cause des médicaments. Donc, par contre, là, j'ai dégagé un peu parce que. Puis là, ça prenait là. Ça commençait à gonfler tout à l'heure. Non, 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 médicaments. Puis du coup, ça a dégonflé. Parce que c'était plus gonflé que ça. Je me voyais dans le téléphone tout à l'heure. Oh, ça prend une mauvaise tournure, ce truc-là. Et après, on va me dire que je suis pas allergique. Je joue avec la lumière. Un petit peu de lumière, voilà. Hier, j'étais toute rouge. J'ai dit, mais j'ai quoi? Bah, je sais pas ce que j'avais. Mais j'avais une baisse de tension. L'après-midi, j'avais 9,7 ou 9,8. Donc, j'allais mieux que le matin. Donc, heureusement que je ne suis pas sortie. Voilà, tout simplement. C'est ma mère qui la veille s'est fait opérer, enfin, l'anesthésier surtout, qui a été me chercher mes médicaments samedi matin parce que je lui ai dit, écoute, je peux pas sortir, je suis pas bien. Ah bah oui, heureusement que je suis pas sortie. Je me demande combien j'avais, quoi. Donc voilà les news. Les news. Donc j'ai une jolie petite déco. Là, je vais la placer à côté du. Voilà. Bah, j'en ferai d'autres si j'en rachète. Je crois que j'avais payé le fil 1 euro la bobine. Et je sais où en trouver donc. Ouais, c'est sympa, on dirait une colonne. Puis le violet, orange et jaune, ça va tout à fait ensemble. Vu qu'il y a une perle violette foncée, le orange ça va avec. C'est la couleur complémentaire. Un clair, un foncé. Ça va avec. Voilà, sinon le pistolet à colle de chez Jiffy est bien. Il délivre bien la dose quand on lui demande. La petite quantité quand même. Donc c'est bien pour faire les choses précises. Excusez-moi, mais j'ai un espèce de bouton. J'ai dû me sortir des boutons parce que j'étais vraiment pas bien. J'ai pas eu de fièvre la journée en tout cas. Mais la nuit, j'ai eu un coup de froid. Après, j'ai eu trop chaud, j'ai transpiré. Mais HS quoi, cassé. Il n'y avait plus personne. Donc voilà, je peux faire
un petit organza peut-être avec le fil qui me reste sur l'aiguille. Bon, ça je vais l'éloigner. Alors il est où le début? Le début du début. Si j'arrive. Hop. Le début du début. C'est le début. Là. C'est ça. Et alors je vais faire comme d'habitude, j'y vais à l'œil, donc à peu près 30. Là, bah, y a la fin aussi, tout est mélangé. Donc j'ai pris mon ciseau ce coup-ci parce que j'en ai assez que ça coupe pas. Alors, on va mettre le scotch sur le début. Et on va le placer. Hop. Voilà. Et il me faudra un autre scotch. Mais bon. Brûler les extrémités. Avec l'organza, faut être rapide. Parce que c'est vraiment un coup de flamme très très rapide. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc ça risque de brûler le l'organza. Donc c'est vraiment ultra rapide le passage. Si j'arrive à remettre ce fichu, c'est que ça me colle à l'intérieur. Ouais. Arrive, mais c'est galère. Bon, on va le mettre comme ça. Il n'y a que le carton qui dépasse, c'est point grave. Donc, je vais reprendre mon aiguille. Là, pas besoin de. Je vais vous baisser. Hop. Un peu, ouais, juste là. Donc là il n'y a pas besoin de marquer, je pique entre les deux traits, je précise. Déjà avec l'organza c'est génial. C'est facile comme tout. Bon, c'est délicat. Mais c'est une simplicité. Hop. Et ça se plie tout seul. Ça se. C'est incroyable. J'adore, c'est trop joli. Ouais,
par contre, ça glisse, hein. Ça glisse, ça c'est tellement fin. Et puis il n'y a pas de nœud avec, hein. Je pique à peu près les mêmes quantités à chaque fois. Je mets de mon pouce. Voulu là. J'avais le doigt coincé. Les animaux, j'aurais ouvert la fenêtre, ils disent plus rien. J'ai Kira qui observe les oiseaux. J'ai le chien qui dort après avoir mangé. Et Domino qui est en train de manger. Je reconnais. Force, j'ai l'habitude. Je reconnais les bruits. Et puis il secoue la table en plus, alors c'est flagrant que c'est lui. Ah, allez, encore un petit bout. Ils sont trop bien les pigeons roucoulés. Encore un petit beau. Et voilà. Donc, on va venir chercher. Vu que j'ai laissé le nœud apparaître, on va tirer dessus. On va former, alors que j'arrive à tenir comme il faut, on va former le nœud, enfin la petite fleur. Serre bien, on maintient. Hop. Ah, je lâche un peu la l'aiguille parce que je me fais des crampes depuis au moins 3 jours. Et bah là. J'ai du mal. Hop, poubelle. Je vais mettre quoi? Je vais mettre celle-là, tiens. Mais je les ai pas beaucoup utilisées, celle-ci. Pas bon, je verrai ça plus tard. Alors on repasse, je vais passer par là au milieu, voilà. Ensuite on passe la perle. Oh, ça fait joli comme tout. On pique
dans l'Arkansas. Alors que je repère où est le trou maintenant. Je repique. Repiquer dans le trou. Hop. Ah oui, mais si je tire et que ça vient pas, c'est qu'il y a un problème. Le trou est peut-être un peu trop juste pour l'aiguille. Bloc. Alors, pourquoi il bloque? Il bloquait pas tout à l'heure. Bloque peut-être parce qu'il y a... Ah, ça y est. C'est parce qu'il y a le fil. Et le trou il est très petit. Donc, je repique au milieu. Je tire bien. La fleur elle est bien formée là. Et je viens faire un nœud. Ça veut bien se laisser faire. Hop, on le voit à peine le nœud. Je remets ça là. J'appuie sur mes pétales. Et remarquez, c'est mignon comme tout. Donc ça peut décorer aussi un... Ouais, mais là je l'ai trop serré. Donc ça ira pas. Puis une grosse fleur, ça va cacher les petits trucs. Donc je préfère ne pas la mettre dessus. Mettre pour autre chose. Voilà. Encore un. Encore une vidéo. Et ouais. Excusez-moi, mais c'est un peu embêtant. Il est très très dur à manier. Quand on doit le bouger, c'est quelque chose. Bon, je vais fermer les perles là. Ça y est, elles sont fermées. Celle-là aussi. J'en ai pas mal des perles, mais après faut que ça le trou soit assez gros pour que l'aiguille passe. Puis ça dépend des formes hein, et des grosseurs. Donc je chercherai. Mais j'ai sorti pas mal de perles. J'ai même des perles en. Carbonite ou un truc comme ça, c'est de la pierre, tout simplement de la pierre. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Ils sont montés sur un fil, voilà, et c'est de la pierre volcanique. Donc voilà, tiens, il y a un truc là. Donc voilà, voilà. Ça aussi, il faut que je le sorte. Alors ça, il faut que je me rappelle que j'ai des perles à écraser en quantité. Ça aussi, il faut que je les sorte. Donc, voilà, comme ça, c'est au-dessus. C'est surtout pour ça que je les avais sortis. Alors ça, il faut que ça soit penché pour que ça se soit droit. Ah, c'est tout un calcul.
Sinon, ça tombe chez moi. Poil de chat. Bon, bah voilà. J'ai toujours pas fait d'essai de tampon. Quand j'en ferai, je ferai une vidéo. Mais là, je crois que j'arrête un petit peu les vidéos. Si je fais, je vais faire hors caméra et puis je vous montrerai après. Je vais faire des fleurs. Je vais pas m'embêter. Je vais traficoter, goupiller, vapoter aussi. J'aime bien. Vapoter, vapoter, papoter, discuter. Mais pas en guirlandais. Que seulement quand il y en a besoin. Parce que je suis toujours pas d'accord avec les vidéos porno qui se mettent. Et bon, heureusement qu'ils les enlèvent tout de suite. Parce que sinon, moi je sais pas ce que. Oh là, il y a eu un pigeon qui est passé près de la fenêtre. J'ai halluciné là. Il a fait un vol ras du store, enfin du volet quoi. Volet store, oui. Ça m'a fait bizarre. Il est déjà 11 h. Ça passe trop vite. Bon, bah je vais arrêter la vidéo là. Je vais noter ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Comme ça ira tout seul. Je vais mettre de côté ce qui est fait, ça c'est là. Ce qui est pas fait, c'est encore là. Voilà. Puis mon organza, même s'il est sali de café, bah ça fait un côté vieillot. Ouais, puis je le rincerai, ça va pas enlever la colle. Voilà. Faut que je l'utilise parce que sinon c'est gâché quoi. J'aime pas gâcher. Donc voilà. Elle fait 26,7. Ça tape hein, dehors. Remarquez, j'ai pas mal. Ça, je suis loin d'avoir mal. J'ai le dos chaud là. Devant, il fait chaud aussi. Ça tape des deux côtés. Ça fait trop du bien. Oh, vieux os. Non, j'ai de l'arthrose généralisée. Donc, ça fait du bien aux os. Ouais, franchement, je me sens mieux. Faudrait que je vive dans le sud, mais je peux pas m'éloigner autant. Et puis le sable, j'aime pas trop. Ah, moi non, je suis campagne, donc je suis pas mère. Donc voilà. Voilà. Donc, c'est quoi ça? Un bout de tabac, non mais. Je vais réfléchir à quoi rajouter de l'autre côté. Du charme. Alors c'est tout emmêlé. Tout emmêlé. Voilà. Je vais y arriver, oui. Voilà. Donc voilà. Ah, oui, vous voyez pas. Un peu.
partout et puis l'autre est caché. Voilà. Et ça fait joli, franchement. Ça fait système D. J'ai encore deux choses à mettre. Voilà. Il faut que je mette deux choses. Alors, deux choses à réfléchir. Réfléchissons, réfléchissons. J'ai des fleurs blanches. Bof. Des roses, ça va pas avec. Des violettes non plus. Ah, je suis en train de chercher, même si ça fait 30 minutes. Hein. Tiens, allez, ça va atterrir dans la poubelle. Reste là. Il y a un truc qui est tombé, mais je sais pas quoi. Bon. Bah, je réfléchis quand j'aurai une idée. De toute façon, là, j'ai une idée avec ça. Alors, oui, ça ouvre où? Bah là. J'ai des liens. Comme ça, en fer. Où je pourrais accrocher... Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, encore. Alors, où je pourrais accrocher quelque chose. Est-ce que je pourrais glisser le bout de ferraille dedans? Alors là, c'est la question. Est-ce que je peux... Ça ne glissera pas tout seul. J'y vois rien. Je vois. Là, je le vois, mais. Pour le pousser, c'est autre chose. Il ressort. Bon, je vois que c'est à côté. Ah mais là je suis en pleine concentration, voilà. Et j'ai réussi. Alors, comment vais-je faire? Parce que ça faut le goupiller dedans. Voilà. Donc voilà. Bon, je crois que c'est assez là. Ça fait. Oh ben, ça fait mignon quand même. Sur un paper clip. Alors ce serait de ce sens-là. Hop, comme ça, accroché. Accroché comme ça. Alors donc là c'est entre les deux et ça va être de mon côté, donc en fait pour vous ça va être comme ça, voilà, de ce sens là puis si on tourne il y a le pompon derrière, voilà l'idée de Karine avec une ouverture de boîte de conserve. Et ouais. Et ça fait un charme. Voilà. Donc, à mettre dans les paper clips. Il est fini. Hop là. Bon, bah voilà, une bonne chose de faite. Alors, ça c'est tout emmêlé. Voilà.
Voilà, 35 minutes à peu près, même pas. 35 piles. Je vous laisse là. Et puis, moi, je vais passer un coup de fil. Je vous dis à plus.